Hey, c'est ça, j'espère que tu vas bien aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo sur Zelda Spirit Tracks, donc on est à l'épisode 9. Et du coup la dernière fois on s'est arrêté juste ici et on devait monter dans la carte d'en haut, donc qui est juste là-bas là. Donc on va essayer d'y aller, alors non pas par là parce que là il y a un méchant. Donc on va passer par la citadelle d'Hyrule, on va essayer de faire ça par là. On va passer par le temple, enfin devant le temple, et on va remonter, voilà. Et on ne sait pas où on va. Attendez, j'entends le son du jeu fort, vous aussi sûrement, donc je le baisse. Voilà. J'ai baissé le son du jeu, je sais pas si ça s'est entendu, mais moi je l'entends hyper fort le son du jeu. Attendez, il y a des vachons sur la voie. C'est pas des vachons, ça c'est des sangliers. C'est quoi cette merde là? C'est des vachons méchants. Allez, on va devant. Merde, il m'attaque. Mais ils sont pas sérieux. Je vais mourir moi. Ils vont m'attaquer. En fait, dès que j'arrête le bip, ils m'attaquent. Faut rester attentif. Oh le bâtard. Si ça continue comme ça, le train sera détruit. Retourne dans la citadelle pour élaborer une stratégie. Les gars, je crois que c'est mon premier game over. Je crois que c'est mon premier game over. Oh. Putain de merde. Bon, on va continuer et les gars, on se retrouve à la citadelle. Aussi les gars, je pense que c'est prévu en fait qu'il y ait des vachons sur la voie et qu'ils nous attaquent. C'est parce qu'on va avoir le canon, je pense. C'est pour ça que Zelda nous a dit, si ça continue comme ça, le train restera pas longtemps. Allons à la citadelle d'Hyrule. Mais attendez, je vais aller comme ça. Voilà. Aller plus vite parce que du coup on va sûrement avoir le canon et ça c'est vraiment bien parce que le canon il est vraiment cool. Oh putain, non mais c'est une putain de blague. Si je me tape un deuxième game, vite. Allez stop. Ok, on s'est arrêté. Putain, je savais qu'il y avait un vachon qui était derrière moi qui était en train de courser, c'est sûr. Bon, on va faire quoi, la citadelle? Faut aller où? Je stresse. Quelles informations voulez-vous consulter? Combat. Ok. Y a rien à communiquer. Dans le concours, y a quoi? Coupe royale. Ok, y a toujours le truc qu'on avait vu au début. Où on a notre petit canon, nous? Comment on a le canon? Ah. Voilà. Une boîte aux lettres. Et King qui va me dire, ouais, on a un canon pour toi et tout, c'est sûr. Je connais les bails. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Une lettre pour Monsieur Link de la part de Monsieur Gasto. Monsieur Gasto a été grièvement blessé, mais il m'a dit qu'il est beaucoup mieux. Ah oui, la lettre. Où avais-je la tête? C'est vrai qu'il faut me la donner quand même. Tenez, ça veut dire qu'il a lu ma lettre. Le bâtard. Vous avez reçu une lettre du postier. Allez voir dans votre inventaire. Et voilà, encore une lettre bien livrée. À la royeuse. On va lire la lettre. Je pense qu'il va nous parler de canon, Gasto. Désolé, Link. Link, je suis désolé que tu doives surmonter toutes ces épreuves seul. Moi, je vais un peu mieux, je peux enfin bouger. Pourrais-tu venir me chercher au château pour m'accompagner à Proki? Let's go. On va aller le chercher. Allez. On va te chercher. Donc, il était là, dans la salle médicale, je crois. Le petit Gasto. Excusez-moi, en même temps, si je m'arrête un petit peu, c'est que je lis mon chat. Ah, mais c'est bon. Je vais plus normalement devoir m'arrêter, parce que mon téléphone, c'est bon. Ok, vous comprenez pas, Aurek, mais parce que je suis en train de lire le chat du live en même temps. Parce que oui, je suis en live, encore une fois. Bon, Gasto. Ah, Link, tu as lu ma lettre? Merci d'être venu, je peux enfin marcher. Tout de même, j'ai honte. Je n'ai pas su protéger son Altesse. En fait, comment? L'âme de son Altesse est avec nous dans cette pièce? Tu dois te rendre dans la contrée des neiges pour récupérer son corps? Entre normal, je dirais que tu délires complètement. Mais je peux voir dans tes yeux que tu ne me mens pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monstres par là-bas. Ok, donc je pense qu'on va avoir là le canon. Ce serait trop dangereux de s'y aventurer avec un train ordinaire. Très bien, Nick. Je sais ce qu'il te faut. Retourne à Proki à bord de ton nouveau train. Je pars devant, je t'attendrai à la gare. Ah oui, ah bah oui, moi. Regardez comment il marche. Regardez comment il marche. Il est bourré, Gasto. Donc, tac, on va l'attendre, on va aller à la gare. Oh,
toi, tu vas bien ou pas? Depuis la dernière fois. Oh, c'est vous. Son Altesse n'est toujours pas revenue. Qu'est-ce que je peux faire? James. Link dit à James qu'il ne doit pas s'en faire pour moi. Comment? Comment l'âme de son Altesse se trouve ici? Il ne faut pas que je m'inquiète, c'est ça. Est-ce que vous insinuez que son Altesse n'est plus de ce monde? Oh putain, quelle impertinence. Je n'en supporterai pas davantage. Si on envoie les gardes à sa recherche, la panique gagnera le royaume. Je vais devoir me débrouiller seul. Écartez-vous. Il ne te croit pas. Je dois vite retrouver mon corps pour rassurer James. Tintin. Allez, on va aller voir le petit Casto. Casto. Hey, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué un petit peu là. Bon. Allez, let's go la guerre. Bonjour Gaston. Bien, rentrons au village. Oui. Oui. Bien, c'est parti. Est-ce qu'on est directement téléporté au village? Non, allez en route pour le village pour qui? Est-ce qu'on est directement téléporté au village? On doit faire la route, parce que j'ai vraiment la flemme quoi. Alors comment tu que j'ai la flemme, c'est... Ah ok, bah on va devoir le faire. Super. Aussi les gars, j'ai une petite anecdote, c'est... là on est à l'épisode 9. Et je la tourne le jour où l'épisode 7 sort. Donc pour moi, là, je suis hyper court au niveau temps. On va aller là-bas. On va aller là-bas, on va tourner là. Parce que là, sinon, là, voilà. Je tournais de l'autre côté, je me faisais déboîter. Ouais, comment je le savais? C'est des vachons? Non, c'est des fleurs. Je deviens parano. Ah, par contre, lui, il va me saouler. Je pense... mais du coup tout simplement oui j'ai oublié de finir l'anecdote c'est que du coup je le tourne le jour où l'épisode 7 sort. Et du coup en fait là le montage de l'épisode 8 il est toujours pas fait. Donc je dois le faire ce soir ou tout de suite là juste après la vidéo. On va passer par là. On va passer par là parce que sinon en fait là je suis vraiment short au niveau temps. Et c'est possible. Alors je ne pense pas hein, parce que je vais me donner à fond. Mais c'est possible qu'un épisode de Zelda manque. Voilà. Donc un jour qu'il n'y a pas d'épisode de Zelda, bien sûr je vous préviendrai. Mais c'est possible. Honnêtement c'est possible. C'est mon premier. C'est mon premier let's play. Et puis voilà quoi. Non mais du coup plus sérieusement. C'est très fort possible tout simplement que je. Bah qu'il y ait des épisodes de Zelda qui sortent pas et tout et tout. Mais du coup voilà. Et ça aussi les gars, ça on le verra plus tard, mais je crois que c'est un autre temple. Ou un truc comme ça. Ouais, ça je crois que c'est un autre temple ou je sais plus. Ou alors c'est une maison ou un village ou aucune idée. Les gars, on arrive au village Proki. Tac. Tac. On va avancer un petit peu plus doucement. Et on va s'arrêter sur le quai. Donc, du coup, on est arrêté et normalement, on va avoir un canon. C'est une sacrée locomotive que tu as là. Je n'aurais jamais cru que la tour des dieux renfermerait un tel engin. Mais si tu dois parcourir le monde, cet attelage ne suffira pas. Attends une seconde. Tous ces préparatifs vont me prendre un peu de temps. Si tu vas aller voir Papy Nico en attendant, ça lui fera plaisir. Je sais ce qu'on va voir, les gars. On va avoir le carnet à tamponner. Comme ça, on pourra utiliser les tampons. Non. Pas ces tampons-là. On pourra... Putain, enfin. Depuis le temps que je vois des trucs à tamponner, là, ça me saoule. Allez. Link, tu es revenu me rendre vite. Tu lui ressembles vraiment comme deux gouttes d'eau. Que de souvenirs. Oui, là, il parle du coup de Link de Phantom Hourglass. Donc, tiens, en parlant du bon vieux temps, ça me rappelle quelque chose. Aux commandes de ta locomotive, tu vas parcourir le monde entier. Je pourrais te demander un petit service, lequel? Tu vois, quand j'étais jeune, moi aussi j'aimais voyager un petit peu partout, et oui. Oui, j'ai vu tout un tas d'endroits incroyables. Et partout, il y avait des monuments à tampons. J'ignorais qui les a mis. Ces tampons étaient un peu comme des souvenirs de voyage. Ces monuments me fascinaient. J'en rêvais même la nuit. Mais à l'époque, je n'avais pas de carnet à tampons. C'était vraiment frustrant. Dis-moi, Link, tu veux bien aller collecter ces tampons à ma place? Je t'ai préparé un carnet spécialement pour ça. Vous obtenez le carnet à tampons. Allez collecter les tampons aux quatre coins du monde pour Nico. Trouve le plus de tampons possible. Si tu en trouves beaucoup, je t'offrirai une belle récompense. Et voilà. C'est comme ça qu'on a le bouclier du coup qu'on parlait dans l'épisode 5. Donc c'est comme ça qu'on l'a.
Tout simplement. Donc, je crois que c'est le bouclier de Link de Phantom Hourglass, du coup, qui est le bouclier de Spirit, de Wind Waker. En gros, sur Wind Waker, on a un bouclier. Tout, tout. Bon, déjà, on a un carnet à tamponner là. Il y a un monument à tampon. Voulez-vous tamponner le carnet, Nico? Oui. Tac. Stylé, ouais. Tac, 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 tac. Il y a combien de pages? Ok. J'irai voir pour les fermer en off. Du coup, il est où lui, l'autre? Il est dans sa maison? Non, je ne peux pas entrer. Faut retourner au quai de la gare. Ah oui. Oui. Hey Link! C'est le même truc qu'au début. Et voilà les gars, on a le canon. He has the cannon. Ça y est, j'ai terminé. Vise un peu ça, Link. Et voilà. On a le canon. Hé hey, hé, c'est un canon. Avec ça, tu peux briser d'énormes rochers. Et si des monstres apparaissent, tu peux les envoyer valser. Bien, avec ça, tu vas pouvoir te rendre dans les contrées des neiges. Il faut à tout prix que tu sauves son Altesse. Tu es le seul à pouvoir accomplir cette tâche, Link. Oui, c'est moi. I'm Link. Un canon, c'est formidable. Avec ça, on devrait pouvoir se rendre dans la contrée des neiges. Bien, dépêchons-nous, Link. Allez, zébrouille. Alors, c'est parti. Par contre, ce qui va être un petit peu chiant, c'est que je vais devoir faire le chemin jusqu'à la contrée des neiges. Voilà, ça se trouve, on n'ira même pas à la contrée des neiges dans cet épisode. Si, je pense quand même. Mais du coup, les gars, on se retrouve quand on est dedans. Tiens, il y a un mot. Voyons, pour tirer au canon, concentre-toi sur ta cible. Puis d'un geste rapide et précis, touche ce sur quoi tu veux tirer. Pouf, c'est signé Gaston. Veux-tu que je relise ça? On reçoit quand même, hein. Et, tac. Et voilà, les gars, trop bien, le canon. Et le canon, tac. Voilà. Si on gise le panneau, ça fait quoi? Oh! Bah ça a enlevé le panneau. Ah, toi t'es mort. Idiot. Voilà, on va détruire un petit peu tous les cailloux. Et si je vois un caillou avec un lapin, ça, je vais le détruire direct. Parce que je crois que les cailloux avec des lapins rapportent plus de choses. Enfin, le lapin a pris de pâle ou je sais plus trop quoi. C'est une zone de TP ou... I don't know, en fait. Oh, attendez, ça veut dire que je peux détruire les autres trains. Ah bah, attendez, on va tester là. Ah bah non, ok. Le lapin il s'est barré. Bon bah du coup les gars on se retrouve dans la contrée neige. Oh les gars, j'ai tiré sur un vachon. Ah ok, faut pas tirer sur les vachons. J'ai fait une connerie, j'ai tiré sur un vachon du skin. Bon allez, on se retrouve encore une fois, ça fait 50 fois je le dis, hein, mais on se retrouve, j'espère, cette fois vraiment dans la contrée des neiges. Ok les gars, regardez, ça a repris, il y a une nouvelle musique, il y a un nouveau tunnel à lumière blanche. Oh, il y a un caillou, méchant caillou. Link, devant toi, friend, non, t'inquiète, je connais. Attends, il y a un lapin, on va le défoncer celui-là. On va tirer sur le lapin. Non, j'ai pas réussi. Attendez, what? Il y a un endroit où s'arrêter. Ah bah c'est le domaine des lapins. Regardez. Il y a une bouche de lapin. C'est quoi ça? Ah c'est la tour de Dieu. Je me suis dit c'est quoi le truc dans le ciel là? La pilande. Il y a plein de lapins partout. Oh mais c'est pas un lapin ça, c'est une vraie personne en fait. Quel endroit étrange. J'avoue par contre c'est oppressant de ouf. Par où qu'on descend? Par où qu'on descend? Par... Mais non par là. C'est des vrais lapins ça? Attends, ah oh, putain j'ai cru qu'il y avait un lapin avec la tête dans le plat. Bon, dans la tête dans le sol, dans le plat. Bienvenue à Lapilance. Cherche à... Il faudrait réviser, c'est un mini-jeu. C'est un endroit merveilleux où on gambade parmi les lapinous. On peut y oublier des chouchis et soigner son cœur. Toi aussi, tu es venu soigner ton cœur. Oui, si tu le dis. Tu es sûr, les lapinous, c'est du sérieux. Il faut pas prendre ça à la légère. Tu le regretteras pas, hein, mais non. Bien, je vois que tu es très motivé. Tiens, je te confie Chouchi.
tenez un filet à lapin, tu sais, là, à bord de votre train. Ah, pour comment? Si tu veux soigner ton cœur, tu dois les attraper toi-même. Tu ne peux pas soigner ton cœur avec les lapinots des autres. Ici, à Lapinland, je prendrai soin des lapinots que tu attraperas. Et chez Petit Lamino, je soignerai mon petit cœur. Ah, non, je me parle à moi-même. Enfin, me voilà. Tu as compris? Oui. Oui. Je vais t'expliquer comment délier ce filet. Tu es peut-être déjà rendu compte, mais à bord de ton train, tu verras parfois des lamino cachés derrière des rochers. Oh putain. Donne des coups de sifflet pour les faire bondir et les repérer plus facilement. Attendez, je commence à faire. Je commence à faire une bonne blague. Si tu en trouves, hein, brise le rocher derrière, il se cache avec ton canoche. Le lapinot s'enfuira et c'est là qu'il faudra que tu l'attrapes. Prends ton filet à lapinot et vas-y, j'arrête. Et essaie de l'attraper en touchant au bon moment. Si tu te débrouilles bien, tu pourras capturer le petit lapinot. Mais si tu restes à gober les mouches, il s'enfuira. Ah, si tu restes à gober. Ok. Mais si tu restes à gober les mouches, il s'enfuira. C'était un peu long, mais j'ai terminé mes explications. Tu as compris? Oui. Oui. Alors va attraper le plus de lapinots que tu peux. Attrape-en plus et je trouverai de superbes cadeaux. Ok, donc c'est ça, les lapinots, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. C'est les lapins qu'on a vus en fait. Quand on en attrape, on gagne des récompenses et tout. Donc il y aura des lapins des neiges, des lapins des sables et tout, je crois. Voilà, donc c'était un petit détour. Du coup, les gars, on va se rendre à la contrée des neiges. Voilà, maintenant ça se vit sur la carte Lapinland. Enfin, Lapinland, non, c'est pas Lapinland. Et comment elle s'active Comment inventaire? Ok. Ah, on pourra. Ok, on pourra changer les pièces de notre canon. Enfin, de notre canon, non, de notre tring. On va voir s'il n'y a pas des lapins. On va tenter d'en capturer un. Les petits lapinots sont à nous. Ils sont à nous, je vous le dis. Après, faut qu'on en trouve. Moi, j'aimerais vraiment bien en retrouver là. Pour tenter la capture. Pour tenter la capture. Oh, déjà, regardez, on voit un gros village là-bas. C'est quoi ça? C'est des méchants vachons. Ok, eux ils se tuent. Eux ils se tuent, ok. Oh putain, il te faut deux coups. Voilà, t'es mort. Allez, on détruit tous les trucs. Il n'y a pas de lapinou. Bon, je sais pas pourquoi ils transformaient les. Ils transformaient certains êtres en ch. C'était chiant. Allez. Oui, déjà, putain, l'énorme bâtiment. Enfin, l'énorme ville là qu'on voit devant. Je pense que ça va être le premier truc qu'on va devoir se rendre. Hein. Sur la stèle des neiges. Bon, moi je vais tourner du coup deux épisodes à l'avance. Donc je vais tourner un deuxième épisode après celui-là, simplement.